Je casse le suspense tout de suite. Quand vous achetez un produit sur Internet, le vendeur est entièrement responsable de la bonne réception de votre colis. Et ce, qu'il se charge lui-même de la livraison ou qu'il la confie à une société de transport. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de la consommation. À noter que si le vendeur assure vous avoir livré et qu'aucun paquet n'est en vue, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a bien été remis. S'il n'y parvient pas, il devra organiser à ses frais une nouvelle livraison ou vous rembourser dans un délai de 14 jours à compter de votre demande. Mais attention, nuance de taille. Vous êtes responsable de la perte de votre colis si vous organisez son renvoi avec un autre transporteur que celui proposé par le vendeur. Pour éviter les mauvaises surprises, voici quelques conseils. Conservez précieusement la confirmation de votre commande, elle vous sera utile pour prouver l'envoi du colis. À chaque demande, laissez une trace écrite, dans l'idéal, une lettre recommandée, car pour info, un mail sans réponse n'a aucune valeur juridique. Vous avez payé par carte bancaire, vous avez le droit de révoquer votre paiement. Si le vendeur et le transporteur se renvoient la balle et que vous restez sur la touche, vous pouvez alerter la direction de la concurrence et des fraudes et en dernier recours, le tribunal judiciaire. Voilà, vous savez tout. Et s'il a envie de vous prendre, m'envoyer un petit cadeau par la poste, c'est bien au 78 rue... Chut, Rémi.